C'est le mec, aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au Barça. Mais avant de parler d'Erling Haaland, qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs, on est parti pour parler de l'arrivée d'Haaland au Barça. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, Erling Haaland pourrait débarquer au Barça dès cet été. Membre de l'équipe marketing du FC Barcelone et proche de Juan Laporta, le président du Barça, Juli Gouy s'est prononcé sur une possible arrivée du Norvégien Erling Haaland à Barcelone et notamment sur une rencontre avec Xavi. L'arrivée du Norvégien du BVB Erling Haaland au Barça se précise. Le FC Barcelone aurait ainsi proposé à Haaland un salaire de 190 millions d'euros sur 5 ans avec des revenus évolutifs. 20 millions d'euros la première année, la deuxième année 30 millions d'euros, la troisième année 40 millions, plus autour de 50, voire environ 55 millions d'euros les deux dernières saisons. Les discussions avanceraient bien avec l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, mais ainsi plutôt qu'un contrat de 5 ans, l'agent d'Haaland aimerait plutôt un contrat de 3 ans avec deux autres saisons en option pour avoir plus de contrôle sur l'avenir de son joueur. Pour autant, Raiola aurait confié à Juan Laporta, le président du Barça et au père d'Haaland, que la meilleure option pour le Norvégien était bien de rejoindre le Barça. Une manière de faire monter les enchères. Ça serait typique Raiola. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Erling Haaland au FC Barcelone est vraiment une bonne idée? En tout cas, les gars, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste, c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et salut.